Bonjour à tous, bienvenue chez Dynastar pour la présentation de cette nouvelle collection hiver 2019-2020. Donc pas mal de grosses nouveautés, pas mal de fraîcheur pour Dynastar l'année prochaine parce que des nouveaux produits, des nouveaux décors très frais. Donc pas mal de belles choses à vous présenter. La nouvelle histoire vraiment majeure, elle se passe sur l'univers Piste All Mountain avec l'arrivée d'un grand frère de la gamme Speed Zone que vous connaissez, c'est le Speed Zone 4x4. Donc là on va s'adresser vraiment à des clients qui veulent un ski un petit peu à tout faire, mais avant tout quand même destiné à la piste, s'amuser sur tout type de neige dans on va dire 100% de ce que peut proposer un domaine skiable. Donc bord de piste, piste boss, piste bien damée, quelques sauts, donc c'est vraiment un ski super fun, super ludique pour vraiment tout faire sur un domaine skiable. On va avoir deux largeurs, deux châssis principaux, un 78 et un 82. Donc le 82 avec le vaisseau amiral qui est le 82 Pro, donc vraiment titanal à l'intérieur avec un beau travail de développé de spatule. Donc ce sera vraiment le ski à tout faire. Bon skieur, très bon skieur dans cette gamme-là, et puis un 82 un petit peu plus léger, un petit peu plus agile pour des skieurs un petit peu moins techniques. Cette gamme, elle fait vraiment aussi la part belle à une nouvelle technologie qui s'appelle l'hybride core. Donc chez Dynastar, de plus en plus dans nos skis, on va vraiment mélanger les bienfaits du bois et les bienfaits des structures composites qui nous amènent énormément de tolérance et énormément de confort dans nos skis. Donc que ce soit sur un ski entrée de gamme ou un top de gamme. Et donc les 78, également en construction hybride, voilà, avec une ligne de côte un petit peu plus orientée, grand public, avec un ski packagé en express en entrée de gamme et en connect en haut de gamme. Donc voilà pour l'univers piste un peu plus All Mountain. Ensuite, sur les produits que vous connaissez déjà très bien chez les hommes, on retrouvera l'univers Speed Zone en pure piste et l'univers premium avec les Master SL et les Master GS en produits plus typés, géants, un peu plus orientés déjà, très bon skieur. Le penchant femme des 4x4, on retrouvera également les Intense 4x4 avec version 78 et version 82 avec un magnifique 82 Pro vraiment orienté pour des très bonnes skieuses qui veulent leur ski à tout faire, comme chez les hommes. Donc voilà, les nanas ont droit aussi d'avoir des skis qui ont du punch, qui ont du look. Donc c'est le cas vraiment du 82 Pro chez les femmes. Voilà. Ensuite, dans un programme plus orienté free touring, on va avoir vraiment un gros coup de frais sur l'ensemble de la gamme free ride montagne chez Dynastar. Donc sur des produits que vous connaissez bien, à savoir la gamme Légende, on va retrouver le 96 et le 106 qui prennent un gros coup de frais en termes de cosmétiques et vraiment une gamme magnifique. Donc le 106 toujours disponible jusqu'en 188, n'hésitez pas à prendre très grand dans ces skis-là. Et le 96 disponible en 186. Donc ça, on est plutôt dans l'univers un petit peu plus traditionnel freeride. Et ensuite, dans ce qu'on a de plus progressif en pratique, on va retrouver une nouvelle gamme Menace, donc qui en fait intègre des structures que vous connaissez déjà. On va retrouver le Pro Model de Permain avec le Proto, toujours en 118 au patin, qui a vraiment marqué les esprits cet hiver. Et puis des skis plus orientés backcountry avec le Menace 98 et le Menace 90, un super ski aussi également pour les ados qui veulent peut-être une première paire de skis un petit peu large, très très sympa ski. Et puis on retrouvera bien sûr le Serial en pur bispat. Ensuite dans l'univers free rando, toujours la gamme Mythique, les Mythique 97 se bonifie avec un insert également en composite, nouvel insert en composite en spatule et en talon qui va amener un peu plus de tolérance. C'est des skis qui ont quand même des gros rockers, donc là ça va permettre de poser un petit peu plus la spatule. Vous les connaissez par cœur, c'est vraiment un des produits phares chez Dynastar. Donc toujours 97 carbone, le 87 en construction carbone également, et la version classique qui est basée sur le même ski que l'on fait pour l'armée française. Et ensuite, nouveauté dans la gamme plus traditionnelle rando, donc verticale, on attaque à partir de l'année prochaine à une refonte totale de la gamme pure rando. Donc là, on va s'adresser à des gens qui connaissent Dynastar. Chez Dyna, on fait des skis de rando depuis les années 70, donc on se voulait de reproposer un ski plus dans notre ADN, un petit peu plus technique, mais beaucoup plus moderne que ce qu'on a pu faire à une époque. Donc ça sera le nouveau vertical 82. Il sera disponible dans deux constructions, la version Pro en carbone et la version classique. Pour l'instant, on est annoncé à 1,150 kg sur le Vertical Pro. Des versions femmes également de ces skis-là. Et puis toujours
le 87 Factory, qui est le ski de Vivian Bruchet, que vous avez pu découvrir cet hiver aussi dans son nouveau film Entre les lignes, avec un ski voilà, vraiment destiné à des très forts skieurs qui veulent faire de la pente raide, qui veulent manger du dénivelé et qui cherchent la performance absolue en rando. À ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est vraiment un ski incroyable si vous avez la possibilité, le niveau technique de le skier. Donc voilà pour les skis d'Inastar 19-20. Donc concernant la marque Lange pour l'année prochaine 19-20, la nouveauté majeure, c'est la LX qui vient remplacer la SX. Donc vraiment notre créneau plutôt ski, loisir, mais performance. Donc on est sur une chaussure en 102 mm, on s'adresse à des gens qui ont besoin d'un petit peu plus de place. Par rapport à la SX, cette chaussure elle s'est vraiment bonifiée dans l'argument majeur, c'est son poids. Donc plutôt que se cantonner à faire des chaussures légères dans des largeurs fines, chez Lange on a choisi de proposer cet argument du poids sur des chaussures beaucoup plus accessibles au grand public en 102 mm. Donc on a une chaussure qui va s'approcher des 1,6 kg sur la taille 26,5 chez les hommes. On retrouve la très bonne pince talon de Lange qui est fait vraiment notre savoir-faire. Et puis la technologie Dual Core que vous aviez découvert dans les RX et dans les RS, qui est un nouveau process d'injection de plastique qui nous permet de choisir des zones un petit peu plus souples ou un peu plus dures selon la skiabilité. Donc une chaussure qui bénéficiera également du nouveau chausson 3D avec les nouvelles malléoles préformées. Et puis une partie qu'on appelle Easy Stepping, qui est une partie plastique un petit peu plus fine, un peu plus souple, qui nous permet vraiment d'augmenter encore l'ouverture de la coque. Donc voilà, une chaussure vraiment orientée confort, mais aussi performance pour une clientèle loisir. Par contre, on monte jusqu'en 130 sur ces chaussures-là. On est une des rares marques qui fait de la chaussure en 102 mm, en 130 de flex. Chez les femmes, on retrouvera également cette coque avec toujours des colliers un petit peu plus bas chez Lange pour les femmes, la porte Insulate pour la chaleur et puis toujours donc sabots 102 mm et l'Easy Stepping chez les dames avec un travail sur les cosmétiques plutôt sympa. Après, vous connaissez bien la gamme, on va retrouver les fameuses RX, RS sur des largeurs 97 et 100 mm. Et puis on reconduit à l'identique les fameuses Free Tour, que ce soit en 130, 120, 110 de flex chez les hommes, donc en chaussures Free Rando. Et puis notre carton de l'hiver, c'est la version femme avec le pro modèle de Sophie Les Chasseurs, notre québécoise préférée. Voilà, merci à vous.